sur vous, tous ceux qui ont levé la main, pour déjà pour encourager tous ceux qui vont passer. Je peux compter sur vous. Alors quand je dis encourager, c'est genre les applaudir surtout à la fin de leur performance, parce que ce que vous allez voir, c'est des prestations libres, donc il n'y a pas de jury comme vous pouvez voir, il n'y a personne devant pour juger. Et c'est des performances par contre qui sont préparées en amont. C'est-à-dire que si par exemple il y en a certains d'entre vous qui auraient voulu participer, vous ne pourriez pas, parce que justement c'est des performances qui sont préparées en amont. Donc, je m'adresse maintenant à ceux qui ont voulu participer aujourd'hui. Si vous voulez participer justement en performance libre, je vous invite à vous rapprocher du coup de notre site, ben, Cospop ou Paris Manga, de toute façon ça fera la bonne direction, et à vous renseigner. Vous verrez du coup que pour d'autres événements ou même le prochain Paris Manga, vous pourrez vous inscrire et préparer votre performance en bonne et due forme. Mais ça ne vous empêche pas bien sûr d'encourager tous ceux que vous allez voir aujourd'hui. Également, est-ce qu'il y en a qui sont allés faire un tour dans le village cosplay aujourd'hui? Vous avez peut-être vu qu'il y a trois jurys là-bas, les trois jurys du concours qu'il y a eu hier, ils sont là-bas. Si jamais vous allez les voir pour voir ce qu'ils ont fait, voir leurs costumes et voir pourquoi est-ce qu'on les a pris comme jury, je vous invite à aller les voir aussi en village cosplay. Vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Aussi, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Alors, aussi, il y en a certains, comme beaucoup pour les performances libres, c'est leur première scène. Donc je compte sur vous en tant que public bienveillant, en tant que public bien élevé, tout ça, de les applaudir et de les encourager, même si ça cafouille un peu. D'accord? Je peux compter sur vous? Est-ce que vous êtes bienveillant? Non. Je peux compter sur vous. Alors, nous avons aujourd'hui des groupes et des solos. On va commencer d'abord par les groupes et ensuite on fera les solos. Donc on va avoir de tout, là je vois la liste des catégories. On a donc des dessins animés et BD européens, des jeux vidéo, des animés japonais, on a tout. Vraiment on a tout. Voilà, on va pouvoir commencer. Est-ce que ça vous dit on commence? Super. Allez, on commence tout de suite avec le premier groupe. Ça va être des personnages qui sont tirés de la série Barbie Cœur de Princesse. Alors super, votre énergie, vous la gardez, elle est géniale. Vous gardez votre énergie, elle est géniale. Pour ceux qui connaissent, j'avoue, je ne connais pas. C'est justement les personnages de Anne-Lise et Erika qui vont monter sur scène. Est-ce que vous les connaissez, Anne-Lise et Erika? Je vous adore, de géniaux, je vous adore. Pour ceux qui ne les connaissent pas, eh bien écoutez, vous allez pouvoir les découvrir en même temps que moi. Je vous demande donc d'applaudir Anne-Lise et Erika, s'il vous plaît. On se ressemble, toi et moi. On fait
musicale. Allez-y, prenez des photos, allez-y, allez-y. Allez-y, faut tenir la pose, avec des beaux cosplays de princesse comme ça, c'est magnifique. Une belle entrée musicale, merci beaucoup à vous. Eh bien, c'est un super début, en tout cas, ça vous a plu la première performance? Vous avez de super énergie, j'adore. J'adore, j'adore. Et c'est super aussi pour le groupe, donc merci. On continue. On part dans l'univers des jeux vidéo avec un jeu vidéo qui ne peut qu'être connu, je pense. Si je vous dis un jeu vidéo mobile... Ouais, bah oui, évidemment, c'est du Genshin Impact, évidemment. Évidemment, c'est du Genshin Impact. Comment ne pas passer à côté, en fait, à côté de ce jeu vidéo qui est un mastodonte, en fait. Donc, ces deux personnages qui vont monter ensemble, c'est le personnage de Scaramouche et Columbina, qui on a connu, d'accord. Apparemment, je suis pas allé assez loin dans Genshin Impact, j'ai l'impression. Donc, je vous demande donc de faire un tonnerre d'applaudissements pour Scaramouche et Columbina, s'il vous plaît. If it were me, I could at least challenge you to a fight. But if it were you, with your conscience, I would stay away from her. Tout ça. Elle a une autre, je sais pas si c'est son amie ou pas, je ne sais pas, Megurine Luka, qui elle est plus timide, douce et attentionnée. Dans ce cas, je vous demande d'accueillir avec chaleur Megurine et Hatsune Miku.
Très très belle performance musicale encore. Bravo, grand bravo. Mais vous avez pas pris une photo? Prenez. Vous allez venir au devant la scène. Ah ben. Bon, mais on aurait... Ah voilà, okay. Allez-y, vous pouvez prendre vos photos, allez-y, allez-y. Pour ceux qui viennent d'arriver, si vous voulez, n'hésitez pas à vous mettre sur les côtés pour avoir de la place pour voir. Mais en effet, il fallait venir avant pour, si vous voulez, une place assise. Il y en a qui ont été malins, qui ont déjà pris leur place. Ah, parfait. Tout le monde a pu prendre leur photo, c'est bon? Parfait, un grand merci à vous, pour les applaudir encore une fois. Bien. Eh bien, est-ce que vous avez aimé Vocaloid? Eh bien, ça tombe bien parce qu'on va dans du Project Sekai. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, on va retrouver Atsunamiku, mais pas Atsunamiku cette fois-ci. On a un groupe de... Attendez, j'ai pas fini. On a un groupe de 5 personnages. J'adore, vous criez, je sais même pas qui c'est qui monte, mais c'est pas grave. C'est un groupe d'idoles, alors, excusez-moi si jamais je les prononce mal, mais nous avons... Tsukasa Tenma, Emu Otori, Nene Kusanagi, Rui Kamishiro et Rin Kagamine. Dans ce cas, faites encore un maximum de bruit pour le groupe Project Sekai. Allez-y pour prendre une photo de groupe. Alors faut se coordonner, on est 5, il faut pas oublier. Ah là, parfait. Allez-y, prenez vos meilleurs clichés. Est-ce que tout le monde a pu prendre la photo, c'est bon? Ah non, allez-y. Parfait, un grand merci à vous, pour les applaudir encore une fois. Encore bravo. Encore bravo. Et oui, c'est d'autant plus difficile quand on est un groupe parce que ça se trouve parfois il y en a qui sont pas dans la même ville, il y en a qui sont pas disponibles au même moment. Donc arriver à faire une performance comme ça, c'est pas facile. Donc c'est encore plus compliqué. Alors, on va maintenant pour notre prochain groupe dans l'univers des jeux vidéo. Si je vous dis le jeu vidéo mythique de la licence Nintendo. Non, vous avez triché, vous avez vu. Et bien sûr que je sais. Vous avez vu, donc je sais.
Donc oui, en effet, on va dans l'univers de Super Mario. Et cette fois-ci, c'est pas les personnages principaux, pardon, qui vont monter, c'est la princesse Daisy. Mais elle n'est pas toute seule. Elle est venue avec un antagoniste, Flora Piranha. Je vais vous demander donc de faire un triomphe à Flora Piranha et la princesse Daisy, s'il vous plaît. Project Sekai. Et c'est un groupe qui est personnalisé. Il s'appelle Wonder Orchestra. Je vous demande de les applaudir bien fort.
encore une très belle performance du groupe Wonder Rockers. Un grand bravo à vous. Alors, on continue. Mais ils vont revenir à la fin, on fait une photo finale avec tous les cosplayers. Ne vous inquiétez pas, ils vont revenir. On retourne dans l'univers des jeux vidéo et on retourne dans l'univers de Genshin Impact. Alors, c'est pas les mêmes personnages qui reviennent cette fois-ci. Cette fois-ci, on a deux autres personnages qui sont apparemment jumeaux fraternels. Vous avez une idée? Bon d'accord, en fait mon effet de suspense tombe à l'eau du coup. Mais du coup, c'est le personnage de Liné et Linette qui vont monter sur scène. Vous les connaissez? Bon d'accord, on va voir plus simple. Qui joue à Genshin Impact ici? Ok, j'avais aucune chance. Ok, dans ce cas, je vous demande d'applaudir bien fort Liné et Linette, s'il vous plaît. Prenez vos meilleures photos du coup des cosplays de Genshin Impact. Merci beaucoup à vous. Il est temps déjà d'aborder déjà notre dernier groupe. Vous avez aimé Vocaloid, vous avez aimé Project Sekai. Eh bien, on a un troisième groupe de Project Sekai. Mais c'est des personnages que vous n'avez jamais vus encore. Il n'y a pas d'Hatsune Miku, il n'y a pas le groupe d'Idol, non. Alors, je vais essayer de ne pas me bourrer sur la prononciation. Nous avons Mizuki Akiyama. Apparemment, vous connaissez mes points. Et nous avons aussi Ena Shinonome. Donc, c'est bien parce qu'en fait, vous en connaissez carrément plus que moi sur Vocaloid et Project Sekai, donc c'est bien. Donc, il s'agit d'un groupe de deux personnages, apparemment, qui font de la musique. Donc, je vous demande de les applaudir bien fort. Ah, ouais, c'est bon, vraiment bien.
un grand merci pour votre prestation. Allez-y, vous pouvez vous avancer. Avancez-vous pour qu'on puisse vous prendre en photo. Allez-y, allez-y. Allez-y, prenez de vos clichés. Voilà, parfait. Parfait, merci beaucoup. Ah, c'est beau de voir ça, surtout. C'est une belle, belle image. Alors, on a fini avec les groupes. Maintenant, on va passer au solo. Nous avons donc 4 solos qui vont passer. Le premier solo est tiré de la série Fortnite. Oh, ouais. Alors, apparemment, il s'agit d'un personnage qui est des plus mythiques. Vous allez me dire si vous connaissez, c'est un personnage du nom de Calamité. Est-ce qu'il y en a à qui ça parle? Ah ouais? Ok, il est vraiment connu? Ah, quand même, d'accord. Ok, bon, bah alors apparemment, je repasse ma culture Fortnite. Donc du coup, bah, je vais vous demander du coup d'applaudir bien fort Midoraka, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bien. Eh bien, je vous remercie qu'on n'a pas eu de manga encore. On n'a pas eu de manga, et bien ça y est, on va avoir notre premier. Il est tiré de la série Love Live, cette fois-ci. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Love Live? Genre ça va, vous connaissez? Vous aimez bien ou vous aimez pas trop? Et bien sûr que vous aimez bien, évidemment. Alors, c'est le personnage de Marihuana qui va monter sur scène. Love Live, je crois que c'est de la musique, non? Il y a de la musique dans Love Live ou pas? C'est des idoles? Ouais, c'est du vocaloïde, quoi. Ah! Il y a une différence. Dans ce cas, je vous demande d'applaudir bien fort le personnage de Marihuana, s'il vous plaît.
Et donc, ouais, on a eu une japonaise qui appartient au performance libre, un grand bravo. On s'approche de la fin des performances libres. On a eu beaucoup de musique, on est d'accord. Est-ce que vous, vous avez envie de chanter? Est-ce que ça vous dirait pas, on se fait un petit karaoké après? Genre en avant-goût de ce soir. On va essayer de prévoir ça, super. Mais il reste encore deux passages. Donc, on continue là-dessus. Le prochain passage est tiré d'un jeu vidéo. Est-ce qu'il y en a qui connaît? Mais vous vous trichez, vous voyez sur les... Ah, me dites pas qu'à partir de ça, on a réussi à reconnaître. Si? C'est si emblématique que ça? Attendez. Vous, fans inconditionnels, j'ai bien compris. Les autres, est-ce que vous voyez ce que c'est? Alors, vu leur tête, ils savent pas. Hein. Clairement, c'est foutu. Moi, je vois pas ce que c'est. Hein. Vraiment. Bon, moi, j'ai l'affiche, mais c'est le jeu vidéo Five Nights at Freddy's. Et apparemment, c'est aussi emblématique que son personnage Puppet, si j'ai bien compris. Ok, d'accord, vous connaissez. Très bien. Bon, et bien dans ce cas, je vous demande d'applaudir bien fort le personnage de Puppet, s'il vous plaît. Ça se déroule dans la ville de Night City, où on va croiser des mercenaires high-tech qui luttent pour survivre. Et on suit les aventures de David, qui rencontrera une fille nommée Lucie. Bon, je pense que là j'ai donné trop d'infos, là, vous pouvez pas connaître. Donc, on va dans l'univers de Cyberpunk Edge Runners. Mais c'est le personnage de Rebecca qui va monter sur scène. Alors, est-ce que c'est tout le monde? C'est bon? Vous êtes prêts à l'applaudir? Allez, applaudissez-la bien fort!
de rester. La puissance retient l'échange. Il peut la voir comme acceptant de dépasser une certaine limite. Quand j'ai une douce minute. Il t'en reste plus qu'une. C'est la fin du voyage. Ouais, t'inquiète pas. Ça me va la vie. On va monter ensemble. Un grand merci. Voilà, regardez bien, c'est LED là. Voilà, on a partout. Avance-toi pour qu'on puisse prendre des belles photos. Vas-y, tu peux t'avancer. Ah bah oui, avec le bien sûr, évidemment, bien sûr, sinon c'est préparé des câbles. Un grand merci à toi. Mais attends, ne t'en va pas, parce que maintenant on va demander à tous les cosplayers de remonter sur scène pour une grande photo finale. Et vous, tenez-vous bien, et pour la prendre tout le panel des cosplayers qui sont passés, prenez une bonne place et vous allez pouvoir tous les prendre en vidéo. Allez-y, vous pouvez monter. Montez tous, vous pouvez venir. Un grand merci et bravo. Bien, bienvenue pour vous reposer.